L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Culture, Longtemps, l'écriture a été l'apanage des érudits. La langue allemande n'avait d'importance qu'à l'oral. La bibliothèque conventuelle de Saint-Gall conserve un témoignage des débuts de sa transcription. Le Codex Abrogance, qui date de 790 environ, est le premier livre écrit en allemand. Ce manuscrit comporte un glossaire qui recense des termes latins et leur correspondance en vieux ou allemand. On y trouve également la première version allemande du Notre Père et du Credo. Abrogans Deo modi, humilis sanftmoati, Abba, Vaterlands, Demodi, Pater, Vater, Admin Colum, Helfa, Solatio Clandestinus, Uia Dorza, Recusare, Alte, Forma, Calde, Paune, Frigo. Le Codex Abrogance marque le début d'un développement révolutionnaire. D'abord, la diffusion progressive de la lecture et de l'écriture, ensuite l'invention de l'imprimerie, et finalement, l'alphabétisation de toute l'Europe. Aujourd'hui, écrire est une évidence, et nous écrivons plus que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ce petit livre représente l'un des témoignages les plus anciens d'un savoir qui allait devenir fondamental pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.